Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai la capuche aujourd'hui, il fait pas si chaud que ça. On va se retrouver aujourd'hui toujours sur les parcelles à Nicolas parce qu'il a perdu sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, je sais plus exactement, mais une des deux à l'époque avait perdu un objet dans une de ses vignes. Donc notre but aujourd'hui, ça va être de retrouver cet objet. C'est en espérant qu'on le trouve, on va croiser les doigts. Donc aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec Marc, donc son nouveau... Comment tu vas Marc? Ça va et toi? Nickel, moi ça va. Son nouveau surnom du coup ça va être le capitaine Haddock, vu qu'il est marin, qu'il est capitaine aussi, hein, tu m'avais dit, c'est ça, hein? C'est ça. Et qu'il a un petit chien qui s'appelle Lilou, presque comme Milou, alors sachant que Milou normalement c'est teinte, hein. Enfin bref, donc voilà, ça va être son nouveau surnom, ça va être le capitaine Haddock. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve avec... Salut. Les fouilleurs du 34, comment tu vas mon copain? Ça va super bien, je suis à côté de la tour au noir. Mais ouais, ça faisait un petit moment, hein. Attends. Ça fait un petit moment que je suis pas sorti. Ça fait un moment. C'est clair que ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu, ça fait quoi, peut-être un an? Non, pas un an, 6 mois. On est sorti ensemble cet été. Le gros coffre-fort, t'étais passé? J'étais passé, mais c'était avant ça. La dernière sortie qu'on a fait, c'était sur la plage, Frenchien, rappelle-toi, la sortie où j'ai trouvé le gros. Oui, que j'avais trouvé le caillou, moi, qui sonnait avec la balle à l'intérieur. Ouais. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. On avait fait une vidéo détection de métaux sur la plage où on était ensemble. Lui, il avait tourné de son côté sa vidéo avec ses trouvailles. Moi, de mon côté, j'avais filmé mes trouvailles. Et c'est vrai que si vous étiez curieux de savoir ce que l'autre avait trouvé, il fallait jongler sur la chaîne YouTube de l'autre. Donc ça, vous avez beaucoup, vous avez été nombreux à me dire que c'était un bon truc, c'était vraiment sympa. Et du coup, il y a beaucoup aussi des abonnés qui t'ont connu grâce à cette vidéo. Tout à fait. Et qui se sont abonnés à toi. Et inversement, donc ça, c'était vraiment super. Et... Non, c'est moi, c'est le téléphone, on m'appelle toujours au bon moment. Et donc, voilà quoi. Donc j'espère que vous êtes prêts, toi et Capitaine Haddock. J'espère que vous êtes prêts, je vais me mettre comme ça je vous vois tous les deux. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas moi je le suis. Et j'espère qu'on va faire de bonnes trouvailles et qu'on va retrouver ce fameux objet. Allez, c'est parti. Bon les amis, notre première trouvaille effectuée par notre Capitaine Haddock. Ah oui, je la vois. Monsieur Capitaine. Je vais l'avoir regardé juste là. Avec Esta qui prend aussi là. Alors c'est quoi, ici. C'est une monnaie? Oh, écoute, moi ça m'en a tout l'air. Hein. Ah, c'est une monnaie. Hein. Tu as une idée? Prends-toi pour voir. Alors là. Ah. Regarde, tiens, j'ai la petite brosse là. Hop. Vu que nous on filme, toi, mets-y un petit coup pour voir. Lilou, arrête. C'est pas très conseillé à faire, hein, mais ouais. Bon. De toute façon, on verra pas plus, même si je crois très bien. Ouais, il faudrait bien la nettoyer. Ouais. Ça ressemble, j'aurais dit un double tournoi, mais. Je pense pas non plus, ouais. Il est vachement épais, je sais pas, mais c'est une monnaie, c'est sûr. Donc à nettoyer, ouais, peut-être un DT, un crassé, c'est possible. Ouais. C'est possible. Je sais pas. À voir. Ouais. On verra hein, si t'arrives à la nettoyer et puis m'envoyer une petite photo. Et ouais, puis, voilà, pareil. Et puis on essaiera de l'incruster lors de la vidéo. Bon, ben voilà pour la première retrouvaille. Bon, nous on continue. Hein. La vigne est hyper longue. Donc on verra bien. On verra bien. Moi pour l'instant en tout cas, je n'ai fait que des merdouilles et des cartouches de chasse. Voilà. Bah, allez, on continue. Bon, les amis, regardez. J'ai même pas besoin de creuser. En passant le détecteur, voilà. 21, 22. Et moi, je regarde toujours d'abord avant de creuser. Et regardez ça, juste ici. Je l'ai pas encore touché, comme vous pouvez le constater. Mais je pense que c'est un bouton militaire. On va voir. On dirait. Ouais, déjà, regarde. Et je crois un bouton à la grenade. Eh oui, c'est ça. Il y a une belle grenade dessus, regardez ça. Hop, il est joli. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? Il est beau, c'est un bouton militaire à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flammes, donc militaire normal. D'accord, ah, je savais pas qu'il y avait un truc par rapport 7 et 9. Par rapport au 9, c'est bouton militaire normal de tous les corps de régiment en général. Et quand c'est 7, c'est la Légion étrangère. D'accord. Donc voilà, une belle trouvaille pour moi aujourd'hui. Donc voilà, je viens de lui mettre un petit coup de nettoyage, un petit coup de brosse, et voici ce que ça donne. Un joli bouton.
Allez, on continue. Nous, Marc, il est, hop, il est là-bas. On a le fouilleur qui s'énerve après toutes les cartouches de chasse qu'il trouve. Et ouais, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Bah, allez, on continue. Bon, regardez les amis sur quoi on tombe ici. Hop, juste là. Pas besoin de creuser, toujours pareil. On dirait un manche de grosse cuillère de l'époque. Ou de fourchette peut-être. Non, ça je te le lance pas, c'est pas bon. Donc voilà. Les amis, on a Marc qui vient de nous faire ça. Je sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir avec le fouilleur, mais peut-être un reste de clochette. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais, sympa quand même. Allez, regardez ça les amis, juste ici. J'ai le détecteur qui a sonné, mais c'était en surface, donc j'ai pas creusé. J'ai juste poussé un peu le tout et regardez sur quoi je tombe. Un petit verrou, un ancien verrou, une poignée de tiroir. Hop, merde. Donc voilà. Bon les amis, on se retrouve ici, on a un petit son. Hop. On a un petit son par là à 9-10. Et apparemment, il serait là. On va prendre le pinpointer, on va le faire en direct celui-ci. Je vais rebaisser ça. Hop. Et on va voir ça. Normalement, il n'est pas très profond. Il semble qu'il sonnait par là. On va regarder, écoutez, on va mettre un petit coup d'œil. Ça n'avait pas l'air bien profond. Hop, on va repasser un coup avec lui pour voir. Ah. Je comprends plus l'objet. Apparemment, j'ai pas creusé au bon endroit. Ce serait par ici. Ce serait là, sous ce caillou. Allez, hop, on va prendre la pioche. Ah, ben regardez. Un morceau d'alu. Hop. Voilà. Allez, on rajoute dans la poche à merdouille. On rebouche. Et on continue. Bon, les amis, regardez la petite trouvaille que Marc nous a faite. Elle est super sympa. Un petit soldat. Enfin, ce qu'il en reste. Prêt à tirer. Il manque la tête, il manque le bout du fusil. Mais c'est quand même très sympathique à faire comme objet. C'est super. Bravo! Merci. De rien. On se reprend ici les amis avec un son. Je pensais que c'était une monnaie, mais en fait non, regardez. Un vieux boulon. Un très vieux boulon. Ouais. Voilà, bah allez, on continue dans la poche à merdouille. Beaucoup de cartouches de chasse. Beaucoup de merde quoi. Beaucoup de merdouille. Et pas beaucoup de bonnes trouvailles pour moi. Bon alors là les amis, on est sur un gros son. Oh, je pense que c'est une cartouche de chasse hein. Mais bon, on va quand même regarder. Ah non, même pas. Oh regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous savez quoi? On va demander au fouilleur qui est... Hop là, attention, je marche. Qui est là-bas? On va aller le voir. Hop. Ouais, j'ai pas de stabilisateur encore, mais ça ne saurait tarder. Donc... Walilou! Ah.
Hein. Ah ouais, bon moi je fais pas de bonnes trouvailles. Écoute, je viens de trouver ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que selon toi? Alors ça c'est une déco de quelque chose ça, ouais. Enfin, effectivement c'était riveté. Je pense que c'est une décoration de quelque chose, c'est sur une médaille ou sur un habit, sur un vêtement, sur une ceinture peut-être. Tu sais, riveté. Ah ouais. D'accord. Faudrait nettoyer pour voir s'il y a des motifs. C'est du bronze, hein. J'ai l'impression que c'est assez lourd. À voir, faut ouais. Nettoyer. Peut-être pas du bronze, je sais pas, mais ouais, c'est pas. Ouais. C'est pas récent. Hein. Ouais. Bon ben, ok, ça roule. C'est pas récent. Allez, les amis. On se retrouve ici. Alors, bon, c'est pas profond, c'est en surface. On va voir ce que c'est. Juste là, aïe, celle-là est piquée de plantes, un peu chiante. Hop, ah bah, d'accord, regardez, de l'alu, c'était ça, ouais, hop, et on va le remettre là-dedans. Et on va vérifier. Ça ne sonne plus. C'était donc bien ça. Allez, on se reprend ici. Avec un très gros son. Et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le manche d'une cuillère ou autre? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça sonne fort. Allez, on continue. Bon, les amis, il commence à pleuvoir pour nous. Et on se retrouve avec un son ici à 9 qui me semble pas très profond. Chut, Lilou au fil. Quelque part par là. On va creuser. Et on verra bien ce qu'il en sort. Hop. On va voir si la cible est sortie. Hop. Oh, putain. Alors, c'est toujours dedans, apparemment. Aïe. On va regarder ça ensemble. On va creuser encore. Ça suffit, file avec ton caillou là. Oh. Bon, alors voyons voir. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose là-dedans? Ou pas? Alors du coup, je sais même pas si j'ai assez de contenu pour vous faire cette sortie, pour vous sortir cette vidéo. Je crois que c'était impossible. Donc on verra bien. Et lui là, pourquoi il sonne tout seul? Oh, qui m'énerve. Ah. C'est encore super profond. Je comprends pas, regardez. Ça sonne de partout. Je crois que mon pinpointer a un souci. Quoi ce bordel? Bon, je coupe et puis si je reprends, si je retrouve l'objet en question, je vous reprends. Sinon, ben tant pis. Bon, ben voilà, j'ai trouvé ce que c'était. Hop. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'était cet objet qui sonnait. Un détecteur. Voilà. Ah, et là, il pleut. Et à chaque fois qu'il pleut, hop, ça fait un petit bip. Bon. On rebouche. Voilà. Et les autres, ils sont
Alors on a Marc qui est là-bas au fond et Steph qui est là-bas devant la petite cabane. Bon les amis, on se reprend ici dans ce trou avec un objet que je connais pas. Donc ça doit, je pense que ça fait partie du tracteur. Un truc aussi gros que ça. Hop. Ouais. Donc voilà. Allez, on continue. Avant de plus pouvoir, parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. Bon, il continue à pleuvoir, mais on persiste, on persiste. Allez, on se retrouve dans ce trou-là, avec un son à 25, et c'est juste là. Hop. C'est juste là, et je sais pas. Hop, pardon. Je sais pas, on dirait encore un bout de tiroir. Donc voilà, je vais lui mettre un petit coup de brosse et je vous reprends de suite. Hop, et voilà, on se reprend, je l'ai nettoyé un petit coup à la brosse. Et voilà ce que ça donne. Voilà, allez, direction poubelle. Allez, on se retrouve ici avec un son à 16-17. C'est pas profond. Alors on va regarder avec le paint ce que ça dit déjà. Ok, regardez, c'est juste là et c'est encore de l'alu. Hop. Ok, il n'y a plus rien. Hop. Et voilà. Bon allez, ça y est, là il commence à bien pleuvoir comme il faut, donc on s'en va. Et on termine sur ma dernière petite trouvaille qui est juste là. Et il s'agit d'un clou. Voilà. Donc voilà, une poche bien remplie pour moi en termes de déchets. Hop, allez, on s'en va parce que... lui, il aime pas la flotte. Hop, on rebouche. Et voilà, et on s'en va rejoindre les autres qui sont déjà partis à la voiture. J'espère que cette vidéo... alors attendez, je vous tourne l'écran. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas fait grand chose en trouvaille, mais si vous allez voir sur la page du fouilleur du 34, je vous mets le lien en description si j'oublie pas, sinon c'est le fouilleur du 34 sur YouTube. Et donc je disais, le fouilleur a fait plus de bonnes trouvailles que Marc et moi réunis. Donc bravo à toi. Si vous voulez savoir ce qu'il a trouvé, c'est simple, il suffit de vous rendre sur sa chaîne YouTube et de regarder du coup sa vidéo. Et puis voilà, et moi je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à sa page YouTube. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !